Moi, je l'aime bien, Vigi. Il a l'air d'être original. Ça veut dire que les autres, tu les aimes pas? Bah, les autres, je les aime bien. Ils sont. Eh, attends, fais pas dire ce que j'ai pas dit là. Moi, j'aime tous mes viewers parce qu'ils sont tous originaux. Je l'ai pas fait exprès. Ah ouais, moi, il s'est fait délette le message. Et je crois qu'il a la main lourde ce soir. Il a. Il est comme ça. Il pique le bras, hein. Et les snipers, il fait. Ça bouge plus là. Ah merde, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Ils t'ont guetté, mec. Ils ont demandé. Franchement, on dirait jouer, mon soukouine, si on bouge l'autre. Je vais pas te cacher que. Alors là, la vie de ma mère, que c'est limite insultant quand même. Là, la vraie Tomb Raider, tu dis que c'est de la merde, je suis désolé, mais alors là. La vraie Tomb Raider, mais t'as craqué ton slip, toi. Et qui alors, la vraie Tomb Raider, dis-moi. C'est Lara Croft, dans le jeu. C'est la seule et unique. Ouais, bah enfin, elle a été tout carré, quoi. Genre. Et bah, tu joues à un jeu de blocs, tu crois que ça vient d'où cet amour pour les blocs, là? Ah bah, moi, c'est. Plus un. Ah, et moi, je peux encore bien te la mettre. Tu sais pourquoi? J'ai la PS1 édition collector Tomb Raider. La merde. Quoi? Je te le dis hein, sans te choquer, hein, mais pue la merde. En fait, si tu veux, la console, elle est un peu bleue. Ouais, et t'as le Tomb Raider dessus. J'ai l'impression que tu m'étonnes pas mal en fait, ça n'existe pas. La bide. Ok, ce week-end je vais chez mes parents, je la retrouve. Et si ça se trouve, elle est ultra rare en fait, je suis en train de me dire là. Là, en fait, je suis content parce qu'en fait, ça se trouve, elle est encore rare en fait. Non, en fait, le mec, je vais vous expliquer. En fait, le mec, il était petit, il avait une PS1, il avait un autocollant Lara Croft. En fait, il avait une PS1 transparente, bleutée un peu là, du coup, il s'est dit, je vais mettre un autocollant. Et depuis, il a toujours cru que c'était PS1 édition collector Lara Croft, alors que c'est un vieil autocollant. De ma vie entière sur la vie de ma petite soeur, que je n'ai jamais mis un autocollant sur n'importe quoi. Est-ce que c'est pas mon père qui l'avait mis quand j'étais plus petit? Ou alors c'est ton père, il t'a troll. Ton père t'a troll. Il m'a troll. Il t'a fait croire. Non, mais t'es un menteur en fait. Tu fais genre, t'as des trucs collector, mais en fait, t'as juste un vieil autocollant. J'ai mis Slicker, ta gueule, je suis en train de regarder. Un vieil autocollant, vas-y. Non, mais c'est pas grave. Ah, si, bah en fait, je te jure que si c'est un autocollant, je vais pleurer. Parce que toute ma vie, j'ai cru qu'il y avait des éditions collector. Mec, moi, j'ai une PS1, l'édition Lara Croft. Je te jure, je pleure. Parce que toute ma vie, pour moi, c'était une édition collector, j'étais trop fier de ma PS1. Tu vois que le Snow, j'en ai fait l'année dernière, c'était pas fou. Donc moi, je suis plus Steam Ski quand même. Mais le Snow, je trouve ça beaucoup plus stylé par contre. Eh ouais, bah ouais, voilà. Moi, je suis Team Snow, moi. Alors, il y a aucun rapport. La musique est toujours là. Hein. Je suis plus stylé. Les snowboarders, ils ont le droit d'avoir de la musique. En vrai de vrai, moi, j'ai vraiment essayé. Et pour le coup, j'ai vraiment galéré. Donc du coup, j'ai été rendre ça à la boutique et j'ai fait du ski. C'est la première fois que tu testais Les dernières, ouais. Ouais, mais je vais pas te mentir que les 3 premiers jours où tu commences le snow, t'es H24 par terre. Ouais, mais là, c'était plus que quand j'ai appris le ski, je te jure, ça m'a gonflé d'un coup. Non, mais parce que le snow, l'équilibre est complètement différent. Tu peux pas, t'es pas sur tes deux jambes déjà, t'es sur une board. Tu sais faire du skateboard ou ça a rien à voir? Oh, rien à voir, je suis pas de skateboard. Pourquoi? Parce que toi, tu fais du skateboard et du coup, tu t'es dit, je vais faire du... T'as pris des cours ou t'avais un mec pour t'enseigner? Pas du tout, non, moi j'apprends tout seul. Ah ouais, tout seul, ouais, forcément. Le ski, j'apprends tout seul. Hein. Mais le ski, c'est pas pareil, tu vois, t'as plus l'impression de faire du roller. Tu viens de me dire que c'était pas dur. Le ski? Non, tu viens de me dire que le snowboard, c'était pas dur. Ah, c'est pas dur quand tu sais en faire, quoi. Arrête de me prendre de haut, toi. Non, c'est pas dur. Si, les 3 premiers jours, t'en chies, mec. Les 3 premiers jours, t'en chies vraiment. Genre, t'es vraiment sur le cul. Donc, si t'as personne pour t'apprendre et que t'apprends tout seul, ben. Déjà, il y a des risques que t'apprennes mal. Puis en plus. C'est pas faire de ski, mais c'est plus simple le ski. Je sais pas. Le ski, par contre, au bout d'une journée, tu sais en faire. Hein. Au bout d'une journée, tu sais en faire, ouais. Tu tiens dessus, quoi. Le snow, c'est un peu moins le cas, tu vois. Toujours, moi, le ski, je déboule les pentes comme jamais. Hein. Rien à foutre qu'il y ait une falaise derrière. Hein. Tu fais du hors-piste un peu? Moi, j'aime bien faire du hors-piste. J'en ai fait 2-3 fois. C'est pas le truc que je préfère. En vrai, je préfère faire des grosses noires là, à fond la caisse là. Ah ouais, non, c'est totalement l'inverse. Bah, en snow, tu vois, les grosses noires, tu les aimes pas. Avec les boss et tout. Ah non, tu détestes ça, mec. Je sais pas si c'est qu'une impression, mais même au ski, je préfère faire des rouges. Les rouges sont beaucoup plus amusantes. Je trouve aussi, ouais. Les noirs, moi, je m'amuse pas du tout dessus. Genre vraiment. Encore moins en snow. En moi, je suis une noire en poudreuse.
genre une noire en hors-piste, ah je te la fais tous les jours, là je m'éclate. Avec de la bonne paf. C'est l'inverse hein, je crois, le ski, le snow. Moi par exemple, pourquoi la poudreuse, je déteste ça moi. Ah ouais, non moi j'adore, mais en fait là, tu te rends pas compte, mais en snow tu fais de la poudreuse quasiment au bout d'une semaine. Hein. Du light, ouais, du light, ouais, je préfère du light. Regardez, j'ai disparu de l'écran. Et je réapparais de l'écran. Là on me voit un peu. Là on me voit un petit peu, là on me voit. Là on me voit, on me voit plus. Enfin, ah pas, c'est mieux. Vrai. Là on me voit un peu, là on me voit. Tu fais quoi là on est en train de faire une petite vide médiévale. Voilà. C'est beaucoup mieux avec le light. Ça c'est supérieur. Je connais pas le truc. Si je connais le la truc. Pointe, la pointe inférieure et Non mais c'est juste que moi ça me tu vois c'est il y a des trucs c'est pas un automatisme, il y a des trucs où il faut que j'réfléchisse. Par exemple, je réfléchis pour gauche et droite. 3, 4, ah, c'est bon ça alors. Il va me juger. Non, je t'avoue que je réfléchis genre quand je sais que quand je passais le permis à l'auto-école, ouais. C'était pas genre il me dit gauche, je prends direct à gauche. Il y a un petit temps d'analyse. Il y a un petit temps d'analyse, genre j'écris de quelle main. Ok, donc je prends là. Ok. Je suis exactement pareil. Après, je t'avoue qu'il y a une fois, il m'a dit à gauche et je suis parti à droite et il m'a fait. J'avais dit à gauche. Ah oui, moi, je me suis mis à droite. Après, moi, j'avais kiffé l'auto-école en vrai. Moi, pas trop. T'avais pas kiffé? Plus, ça dépend du moniteur, ouais. Ça dépend du moniteur. Si t'as un salopard, tu passes pas un bon. Un mec qui est pas follow, c'est pas une communauté. Sur ce point, je peux pas te donner tort, et c'est bien dommage. Non, sur ce point, il a raison, quoi. Un mec qui n'est pas follow, c'est pas la communauté. D'ailleurs, si tu veux faire partie de la communauté, n'hésite pas à follow, voilà. Non, bah non, dis pas sub. Hein, ouf, toi. Et toi, tu perds le nord, toi. Non, d'abord tu follow, après sub. Tu sub. Non, personne ne sub et follow, et follow pas, tu vois. Je me suis sub à toi avant d'être follow. Oui, mais parce que tu savais direct que t'allais sub. Et les gens en général ne savent pas tout de suite qu'ils vont sub, tu vois. Et d'abord, t'arrives, tu vois les chats là, quand ils pelotent leur machin, là, t'arrives comme ça, hop, là c'est le, après, là, c'est le follow, tu vois. Ils pelotent comme ça, là, tac, 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 tu vois. Et quand ils se sentent bien, là ils se couchent. C'est ça le sub, pardon. Et là, il a même peloté avec le sub, et puis avec le follow, et puis dès qu'il est prêt à se coucher, dès qu'il est prêt à s'abonner, hop, il se couche comme ça. Et après, il ronronne. Alors, quand il ronronne, là, c'est il subgiff et tout, là, il ronronne. Mais ouais, mais là, c'est quand tu le caresses en sens du poil, comme ça. Mec, mes followers, c'est des chats. C'est mes petits graineries, quoi. Hein, mes petits graineries, hein. Passe du chat à graineries. Faut savoir aussi. Passe pas de chat à graineries, hein. Et ben, tu sais que. Ça, c'est chiant. Mister Burger, miaou. Non, en général, dans le chat, t'as P2, pas dans le mien, s'il te plaît. De quoi ? C'est pas des chats, hein. Il est en train de faire le chat dans mon chat. C'est win, c'est validé. Voilà, il est en train de. Comme ça là. Alors que général il est déjà couché, je suis en train de le caresser dans le sens du poil. Un peu de rue tout ça d'ailleurs, un peu de rue. Pas de cacher que. En vrai, on a hyper bien complexifié la ville. Hein. Ouais, mais c'est mieux. Quand tu fais le tour. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus propre, c'est logique. Elle est vénère la ville. Bon, il faudra refaire les canalisations, là, les égouts, mais ouais, on a bien agencé le truc.